coucou à tous et bienvenue dans The Sun and Moon. The Sun and Moon, c'est a priori un petit platformer qui a l'air bien dur, qui a été créé lors d'un Ludender, donc un game jam en fait, pendant deux ou trois jours, je sais plus exactement comment est-ce qu'ils l'ont fait. En tout cas, ils en ont fait un jeu qui est plutôt stylé et on va le tester ensemble. Alors, donc on a cette petite boule avec deux yeux. Des petits comment on appelle ça, une petite traînée, qui est une petite traînée. Par contre, j'ai un peu loupé les contrôles qu'ils nous ont dit, donc c'est assez bizarre. Il n'y a aucune inertie. Vous voyez, si je me déplace et que je m'arrête instantanément. En général, dans la plupart des jeux comme ça, il y a toujours une inertie différente. Alors oui, 26 secondes, bon d'accord, voilà. J'aurais pu le faire plus rapidement. Back jump, accept, leaderboard, move, jump, ok, bon, ça, on n'avait pas beaucoup de touches, hein, a priori. Oh, c'est le même niveau encore? Quoi, je l'ai échoué? D'accord, ah oui, il fallait que je sélectionne le deuxième niveau en fait. Et X, donc ça fait point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Alors moi je sais. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et donc le principe du jeu, c'est ça. Ce que vous venez de voir là, c'est en gros quand on appuie sur X et qu'on est en train de bouger, on peut plonger en fait plus ou moins dans le comment j'appelle ça, dans le monde opposé, dans l'espace négatif du terrain. Donc on peut plonger dans le terrain. Voilà, on appelle ça le terrain. C'est peut-être plus logique. Et donc voilà. Donc hop, hop, hop. Et donc quand on est dans le terrain, on est. Ah ! Quand on est dans le terrain. Ah ! Quand on est dans le terrain, on est poussé vers le haut. Voilà. Et donc, il faut éviter les pics, bien sûr. Il faut aller là-bas et choper les trois petits points. Donc, niveau 4. Hop. Hop, passe à travers. Comment je fais ça? Comme ça. Ça marche. Hop. Bon, pour l'instant, c'est facile, hein. On nous apprend encore à jouer. Forcément. C'est très étrange en trouver les contrôles. J'ai presque réussi à avoir le plus battant possible. Quel effort, ma parole. Ok, donc faire comme ça. P. Yes, j'ai eu un temps. J'ai eu combien? Ouais, j'ai eu la lune. Enfin, croissant de lune. Génial. Je suis énorme. Allez hop, niveau 7. Ok. Donc là, j'imagine qu'il faut prendre de l'élan en fait. Pas comme ça. Pas comme ça non plus. Pas comme ça. Ah, il faut que je réappuie, bien sûr. Je suis beaucoup trop concentré pour ce genre de jeu. Ah! Pour en fait que j'arrive à choper juste un peu d'élan. Voilà, pour que j'arrive à choper le point. Et en plus que j'arrive en haut. Allez! Wouhou! Ah non, je peux pas retomber! Oui! Putain, le feeling est excellent, quoi! Tu te tais, le casque. Le feeling est vraiment excellent. Oh, branche mon casque. Le feeling est vraiment excellent en fait. Parce que ça, on prend à chaque fois de la vitesse quand on. Ah. Et vu qu'il faut bouger, quand on passe à travers, je sais pas comment appeler ça. Quand on. Point d'interrogation. Comment je fais là?
ne sais pas, je meurs. Non, mais si. Bon, bah, je ne sais pas comment ça marche celui-là. Parce que là, en fait, j'arrive pas. Si je prends de la vitesse ici, boum, ça change bien. Mais c'est pas ce que je veux. Ah, je peux remonter par contre en faisant comme ça. Donc là, si je fais. Non, loupé. Non, non plus. Ah! J'arrive pas à savoir comment je suis censé avoir le dernier point en fait. Grosso modo, j'arrive juste pas à prendre assez vitesse. Et là. Je n'arrive pas à prendre assez vitesse et du coup. Non, je sais, c'est ça. Oups. En fait, il faut que je. Donc j'arrive là. Et là, en fait, il faut que j'arrive à le faire. Il faut que j'arrive à le faire du premier coup. Par exemple, en faisant comme ça. Échec. Ok. En faisant comme ça. Ah! Ça c'était pas une bonne idée, c'était une bonne idée ça. C'était une bonne idée. Wouh! En faisant donc comme ça. Ah! Oui! Non! Oui! Non! Non! Ah si, je peux remonter là. Pourquoi j'ai pas réussi tout à l'heure? Parce que je suis nul à chier. Et oui, c'est bien pour ça. Bon, alors, ici, on en a un ici à choper. Jusqu'ici, tout va bien. Oui. Ça va. Oui. Oui. Allez, j'ai dit. J'ai dit oui. Voilà. Bon, ça, c'était facile. Vraiment prendre pas mal de vitesse, très sympa. Donc là il y en a un à choper ici, hop, et un à choper ici. C'est vraiment le niveau tutoriel encore hein. Non, niveau 11. Échec. Échec. Ah! En fait, là, il faudrait que j'y arrive. En faisant comme ça et en plongeant. Oui! Yes! Ok. C'est vraiment. C'est vraiment sympa, mais c'est vraiment pas facile, quoi. Je suis un peu en stress. Donc là, on plonge. Et hop là! Voilà! Nice! Good job! Alors je sais pas, ça c'est un truc pareil, je comprends pas. Enfin si je comprends. En fait ils ont fait des différents levels. Voilà, différents niveaux. Là, on passe dans le rose, là on passe dans je sais pas quoi. Auquel j'ai enfin accès d'ailleurs. Et du coup on peut arriver plus vite à la difficulté plus grosse. Moi j'aime bien, j'ai absolument rien contre les trucs linéaires donc. Ah pff, je me demandais, tu sais. Pourquoi. Oups, pourquoi est-ce que je pouvais. Aucun moyen que je saute quand je voulais faire comme ça et tout. Ça aurait été stylé. Mais non, c'était un échec. Hop là! Easy! Oui! Je m'attendais pas à le réussir celui-là du premier coup, non. Pourquoi pas.
Comment ça se passe ici? À quel moment est-ce que je peux revenir? Je peux pas. Ah, c'est comme ça en fait. Oui. Ah non, il fallait que je me remette dedans. Pourquoi j'ai perdu? C'est quoi le bouton pour recommencer? Je ne sais pas. C'est pas grave. En fait, il faut que je fasse comme ça. Hop, et que là, je replonge. Parce que si je replonge pas... Ah! Si je replonge pas, je suis mort. Timing est serré. Timing est serré. Ouais, je commence à m'habituer à un poil. Yes. Alors, niveau 15. Ah, ok. Donc là, pareil, hop, on saute, on vient, hop, et j'ai oublié de réappuyer. Et hop là, oui! Oui! Oups. Oh, je vais y aller à pied, puisque c'est ça. Enfin, même si j'ai pas de pied, je vais y aller à boule. À boule! C'est quoi ça, c'est un boss? Méchant. Il m'aura jamais. Hop là, tu m'auras jamais. Non, mais tu m'as eu. Merde. Oh, fuck. Tu. Fuck. Tu m'auras jamais la boule. Casse-toi la boule. Ah oh ah oh. Fuck. Ok. Toi tu passes à travers les murs comme ça. Loupé. Saute, saute, saute. Saute et on rentre dedans. Casse-toi la boule. Madame. Ah, madame. La boule, elle m'embête. Ah. Flûte, j'étais presque. C'est pas une mauvaise idée en fait. Ça, c'est une mauvaise idée. Ça. Ça. Ah. C'est pas une mauvaise idée en fait de faire comme ça, hop, hop. Non, presque! En fait, de passer par en bas, c'est potentiellement. Ah! Allez, plus bas! Mais la boule! Je t'emmerde la boule. T'entends? Allez! Il veut plus sauter. C'est forcément la manette qui marche mal, hein. C'est pas moi qui joue mal. Ne vous inquiétez pas. Je suis passé à travers comme un gros débile. Eh oui. Hop là. Tu m'en vas pas. Et voilà. Boum! Dans ton cul la boule. 1. 1. Je te fais ici. Oui.
Non. Loupé. Loupé. Et voilà, boum, easy. Je commence à être bon, hein. Non, bah non, je commence pas à être bon en fait. Ah! Allez, rentre dedans, rentre dedans. Et mais pas dans le mauvais sens, stupide boule. Voilà, ça c'est le bon sens. 8 secondes, je te jure. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ok, donc là en fait il faut que je rentre directement. Juste hop. Hop là. Voilà. Quel échec. Échec cuisant. Merde. Non, tu rentres. Il y a que deux boutons, mais c'est pas facile, hein. J'ai passé à travers à côté. Non. Voilà. Oh là, oh là, oh là, il y a des bateaux partout là, ici, hein. Oui, parce que ça ressemble à des bateaux. Non. Allez. Donc là, il y en a un à choper. Non. 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 Arrête d'appuyer sur le truc pour rentrer dans le sol là. Ah tiens, j'ai trouvé le bouton d'autodestruction. Excellent. Laisse-toi tomber tout droit. Là, hop, tout droit. Ouf. C'était large. Hop, on plonge. Hop. Alors, donc là, on va aller là. Et là, hop, hop. Ça marche pas du tout en fait, ça veut dire qu'il faut vraiment que j'aille. Hop là. Donc que j'aille là d'abord. Ouais, ok. Voilà, hop. On va récupérer ça. Ensuite, on va là. Voilà. Autodestruction! Autodestruction! Putain, je suis nul à chier, hein. Échec! Donc on prend le premier ici. Hop. On prend le second ici. Oh là là, c'est passé pas loin là. Je n'aime pas ça. Voilà. Et le troisième. Maintenant, on est bon. Oh, ça va. Pff, compliqué. Ok. 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 Et voilà, boum, niveau 1. Et donc j'ai fait tous les niveaux du monde 1, donc je vais arrêter l'épisode ici, ça fait en plus un bon temps pour un épisode. Donc voilà, c'était Sun and Moon, un petit jeu très sympa, très dur, vu que déjà j'ai bien galéré dans ce que j'ai vu des images à droite à gauche, ça a l'air bien dur. Et ce qui est déjà pas mal, et moi j'aime beaucoup ce genre de truc, j'aime beaucoup ce genre de jeu enfin, bien try and die quoi, die and retry and redie, comme Super Meat Boy, tout ça, et donc voilà.
un petit jeu sympa, Sun and Moon. Sur ce, donc j'arrête l'épisode ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, à partager, à liker, et puis on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. Passez une excellente journée et je vous fais plein de bisous.